A-t-il fait un bon voyage? Excellent. Est-il heureux? Très heureux. Vous êtes provincial. Ça se voit? Non, pas trop, mais... Mais autant vous prévenir tout de suite, je suis un peu... pas. Mais vous m'aimerez, Ernestine. J'en doute. T'as pas la gueule de Paul, toi. On est cousins. Pas frères jumeaux. Vous savez chacun la gueule de votre emploi. C'est-à-dire? Hein? Bah, vous connaissez Paul, vous connaissez aussi. Mais maintenant, vous allez vivre dans un drôle de monde, oh, vous verrez. Vivre comment? Tu tracerais la route. Bah, battu-toi. Excuse-moi, je vais travailler. Oh, non, mais regardez-le. Franchement, t'exagères, écoute. Parce que je ne suis pas l'image vivante de l'inanité du travail. Hein? Allez, mon petit père, repose-toi, là. Non, non, tu comprends, je n'ai pas tes facilités de travail. Je suis de l'espèce laborieuse. Oh, le travail. Le travail. Le travail. Qui est-ce? Qui, Florence? Mais c'est Florence. J'aime pas le nom, mais la fille a quelque chose. Je vous aime, Florence. Vous m'aimez? Florence, celui qui te sauvera de Charles, c'est Paul. Vous êtes des salauds. Fous le camp parce que tu me rends malade. Je suis pas Paul, moi, il faut que je bosse. J'ai pas de temps à perdre dans vos beuveries. Et puis j'ai promis à ma mère d'être reçue. Si je rate, oui, ça a l'air idiot, mais si je rate, ça sera terrible pour elle. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on aime sa mère. Vous ne pensez qu'à coucher.